Bonsoir la famille. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Je me nomme Mohamedou Moustapha Bitey. Je suis étudiant et en même temps investisseur en crypto-monnaie. Et aujourd'hui, nous sommes là pour faire le bilan de notre année 2022. Concernant les rencontres, cette année m'a permis de faire beaucoup de rencontres, notamment dans le domaine de l'entrepreneuriat et du business. Et j'ai pu rencontrer M. Amadou Seck, une personne que je voyais que sur YouTube et sur les télévisions, parce que depuis 2020, je le suivais. Je l'ai suivi sur 2STV. Une fois, c'est là que j'ai commencé par m'abonner sur sa chaîne YouTube. Et j'ai pu le rencontrer physiquement cette année, c'était au mois d'avril, lors de la cérémonie de dédicace de son livre. J'ai aussi pu rencontrer d'autres personnes comme mon ami Moustapha et Moussa Diaby et à toute l'équipe de Vision d'Afrique qui m'ont bien accueilli. J'ai vraiment été surpris par l'accueil que j'ai reçu ici à Vision d'Afrique, notamment par l'humilité du PDG lui-même. Concernant la lecture, bon, j'ai lu une dizaine de livres cette année, mais je vais en citer que seulement deux livres qui m'ont vraiment marqué cette année. Le premier, c'est Robert Kiyosaki, Père riche, père pauvre. C'est un livre qui m'a éduqué financièrement, parce qu'avant j'étais un garçon très indiscipliné financièrement, je ne savais pas quoi faire avec mon argent. Mais j'ai seulement lu le chapitre sur les actifs et sur les passifs et là tout a changé financièrement. L'autre livre, c'est un livre de votre ami, M. Dieudonné Agon Makpa, Productivité x100. Oui, un livre qui m'a beaucoup changé en tant que personne. Parce que avant, comme je le disais, je ne savais pas quoi faire de ma vie en fait. J'étais dans la rue à jouer au foot, indiscipliné et tout ça, mais ce livre m'a beaucoup éduqué. Concernant les idées, bon, j'ai reçu de nouvelles idées. Premièrement, en venant ici à Vision d'Afrique, à rencontrer ce club, j'ai pu déplafonner mes rêves en fait. Parce que ici, pour être dans ce club, en tout cas, il faut rêver grand. C'est ce que j'ai appris ici. Il faut rêver grand avec M. Seck et M. Diaby. J'ai pu déplafonner mes rêves. J'ai reçu de nouvelles idées en tout cas. Concernant les compétences, bon, j'ai pu maîtriser l'investissement. Je n'ai pas de maîtriser, mais je suis quand même maintenant. Je sais comment acheter des cryptos, comment vendre et tout ça. Je suis aussi étudiant en trading avec M. Diaby. Oui, on est en train de progresser. Concernant la croissance personnelle, bon, je peux dire que j'ai mûri en tant que personne en fait cette année. Bon, je me prends en charge, je me suis responsabilisé, je fais mes choix moi-même en tout cas. Et tout ça, c'est arrivé cette année. Concernant mes objectifs pour l'année 2023, c'est d'avoir beaucoup plus de compétences en dehors des crypto-monnaies, surtout dans le milieu entrepreneurial, de lire beaucoup de livres, et d'avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est ce que je souhaite à tous les membres du club. Bon, c'est ce que nous avions à partager avec vous concernant notre bilan de cette année. Merci.